l'application de la loi constitutionnelle de Ténorma. Je pense que en mettant en place des institutions légitimes sans prendre part à ces élections. Et ça, il l'a fait. Le discours de Mamadou Sy a démonté clairement le discours de la Cour constitutionnelle de 2015. Très, très satisfait du discours du président de la Cour constitutionnelle. Du suprême. De la Cour. Pardon. J'étais très satisfait du discours du président de la Cour suprême parce qu'il n'a pas manqué de rappeler les risques auxquels une transition peut être exposée et il a appelé le colonel Doumbia à faire attention pour ne pas tomber dans les pièges qui ne manqueront pas d'être tendus par de multiples pressions l'amenant à renoncer par exemple à ses engagements ou à déployer justement la transition. Là, j'ai démonté le discours de la présidente de la Cour concernant 2020. Oui, je pense que nos magistrats prononcent de très bons discours, c'est le cas, mais il faut qu'ils payent aussi au respect de la loi et des engagements que prennent ceux qui se chargent, ceux qui prennent le pouvoir dans le respect de leurs services. Il faut qu'ils soient vigilants. Donc, la société civile n'est pas tout.